Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce trésor au Bénin dans le sommaire, le palais de la Marina transformé en musée pour l'exposition des trésors royaux d'Abomey. Le thème de l'exposition, art du Bénin, d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La première exposition a été faite ce week-end et plusieurs dizaines de personnes ont pu visiter les trésors royaux. À côté de cette grande attraction se trouvent également des œuvres d'artistes contemporains. Et puis ensuite, nous parlerons de la problématique de la cherté de la vie avec le coût quelque peu élevé des transports ces derniers jours à Cotonou et environ. Conducteurs de taxi moto et taxi interurbain justifient cette hausse par l'augmentation du prix de l'essence frelatée. Aux abords des voies, les usagers et autres clients ne manquent pas le parc de casse-tête. Et puis enfin, d'édition, la finale de la Coupe de la jeunesse de Waké a connu son épilogue. La finale a opposé Espoir de Badjouder et celle de l'Espérance FC de Séméré. Ces deux formations se sont affrontées sur le terrain de Badjouder. Au thème, c'est l'équipe de Badjouder qui l'emporte avec un score de 5 buts contre 4. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin, le palais de la présidence de la République est désormais prêt pour l'exposition des trésors royaux d'Abomey. Un peu plus de 3 mois après le retour au Bénin, le thème de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. D'ailleurs, la première exposition a été faite ce week-end et plusieurs dizaines de personnes ont pu visiter ces œuvres. À côté de ces objets, des œuvres d'artistes contemporains ont été exposées aussi. On va faire le point avec Narcisse Alosset, Henri Ganti. L'attente aura duré 3 mois seulement et le public béninois découvre déjà les trésors royaux d'Abomey ramenés de la France le 10 novembre dernier. Par dizaines, des amateurs d'art et bien d'autres curieux ont afflué vers les salles d'exposition implantées ici dans l'enceinte du palais de la présidence pour contempler ces trésors. C'est une première au Bénin. La présidence de la République est à notre sens l'un des rares lieux qui réunit et rassemble tous les Béninois. Le choix de ce lieu est dès lors porteur d'un signal, d'un appel au ralliement de toutes les forces de la nation autour de la commémoration de ces œuvres revenues de leur périple et désormais partie intégrante du patrimoine national. Le patrimoine national dont la galerie est enrichie de ces œuvres qui sont des butins de guerre déportés dans l'Hexagone le siècle dernier après la chute des souverains de Dahomey. Exposées ici pour l'acclimatation après 130 ans de séjour en France, ces œuvres sont porteuses de plusieurs mémoires. Mémoire d'un héros national, Béhanzin, dont la chute a été suivie d'un pillage systématique du trésor royal. Mémoire de deux grands souverains dont les trônes ont été emportés, Glélé et son père Guézo. Mémoire des artistes restés dans l'ombre, mais ayant donné forme et vie aux œuvres pillées. Mémoire d'un séjour forcé en France. Séjour dont les souvenirs sont désormais lointains. Et sur place ici, des experts, médiateurs et historiens pour la plupart ont été déployés pour expliquer au public toute l'intelligence qui les accompagne. Mais si vous savez regarder, si vous savez vivre les événements, je pense que c'est un événement très 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 émouvant. C'est une bonne chose parce que aujourd'hui nos petits-enfants verront l'histoire, ils vont toucher des yeux l'histoire. Ce sont nos valeurs endogènes qui étaient parties pour des raisons que vous savez et qui sont revenues. Alors, je dis à ces valeurs endogènes qui sont revenues, bienvenue, parce que je me sens plus fort, nous devons nous sentir beaucoup plus forts. Et je crois qu'au-delà même du Bénin, c'est toute l'Afrique qui est honorée. À côté de ces trésors royaux, 106 œuvres contemporaines sélectionnées dans la Galerie nationale d'art sont aussi exposées ici. La palette est sans doute large, mais il fallait réunir les artistes les plus créatifs à travers leurs œuvres les plus emblématiques. Avec ce travail, nous redécouvrons que nos créateurs très inspirés s'expriment de différentes manières, utilisent tous les matériaux qui sont à la fois d'ici et d'ailleurs. À travers cette exposition, le gouvernement offre ainsi l'opportunité au public d'apprécier les talents variés et multiformes des artistes, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Et le thème de l'exposition en dit d'ailleurs long.
Au lendemain de la publication de la liste des candidats présélectionnés pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes du Bénin, les membres de la commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation ont tenu un point de presse au sujet de certaines observations après avoir rassuré la population de la transparence et de l'intégrité du processus de sélection. Le président de la commission a fait cas des fraudes constatées lors de l'inscription. Ceci concerne des fonctionnaires qui ont inscrit de fausses informations pour être présélectionnés. Claude Olympio a fustigé le comportement et invite les personnes concernées à vite se retirer du processus. Je vous propose ici un extrait de sa déclaration. À la publication de la liste, nous avons quelques retours sur un aspect que nous-mêmes nous pressentions à l'examen de certains dossiers. Vous savez, dans le cadre de la réforme, et pour permettre que la première équipe de gouvernance qui va être mise en place dans les communes, dans le cadre de la réforme, pour permettre que cette équipe soit renforcée, la loi a prévu la possibilité que des fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'État, de l'administration publique, qui sont de la catégorie A1, puissent être admis à la candidature pour le fichier. Alors, ce qu'on a observé à partir des retours que nous avons depuis hier, c'est que certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1, qui sont de la catégorie B, par exemple, ou qui sont du grade A3, puisque la plateforme ne leur permet pas d'entrer leur candidature parce qu'ils ne sont pas de cette catégorie, ils choisissent délibérément d'indiquer qu'ils sont du secteur privé. Parce qu'il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, ils choisissent cette possibilité sur la plateforme et produisent des diplômes derrière pour soumettre leur candidature. Et donc, quand à l'examen de dossier, puisqu'on ne gère pas du papier, tout se fait informatiquement. À l'examen du dossier, la commission avait déjà quelques appréhensions en regardant certains parcours qui paraissaient un peu bizarres. Alors, le sentiment que ça a commencé à laisser à certains de nos concitoyens, c'est de considérer que il a été choisi de favoriser certains fonctionnaires pour lesquels donc on a admis la candidature. Il n'en est rien. Et je veux souligner ça avec force. Si certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1 se sont retrouvés sur la liste, c'est simplement par cette fraude que je venais d'indiquer. Donc, je voudrais déjà exhorter ces fonctionnaires à s'abstenir dès maintenant. S'ils savent qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et qu'ils ont commis cette fraude, mais s'ils ne le font pas, ils seront identifiés et seront traités comme il faut. Parce que nous mettons un point d'honneur, et le chef de l'État y tient, que ce processus soit intègre et que les équipes dirigeantes qui vont sortir après la mise en place de ce fichier soient hors de tout doute. Et ça, nous n'allons pas faillir à ça, et c'est pour ça que nous voulons faire cette précision assez rapidement, pour que les fonctionnaires qui se sont amusés à ce jeu prennent leurs responsabilités. Je vous remercie. Et puis nous restons sur le même sujet. Le concours devant aboutir à la sélection des 117 secrétaires exécutifs au profit des mairies est officiellement lancé. 1005 candidats y prennent part au plan national. Les compositions se déroulent au lycée Koulibaly de Cotonou. Et c'est Raphaël Akotéyon, ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, qui a procédé au lancement. Teddy Goudalo, Henri Ganti. Ils ont tous répondu présents pour subir les premières épreuves écrites du concours devant aboutir à la sélection des 117 secrétaires exécutifs au profit des mairies. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui vient lui-même donner le top. C'est un cabinet professionnel qui a, disons, sélectionné, qui a, disons, identifié les épreuves. Vous savez qu'il y a 7 fonctions que nous voulons, disons, sélectionner et mettre à disposition des élus
Et c'est le cabinet qui a piloté ça de bout en bout, sous l'œil vigilant de la commission qui regorge des représentants de chaque partie prenante. À la présélection, on a retenu les candidats sur la base de l'analyse de leur dossier. Alors, ce sont ces candidats qui ont été présélectionnés qui sont dans ce centre aujourd'hui, le lycée Coulibaly de Cotonou, pour subir les épreuves. Alors, dans cette journée, nous avons deux épreuves qui vont se dérouler, à savoir un test psychotechnique pour tous les candidats, quel que soit le poste. 1002 candidats étaient attendus pour prendre part à cette deuxième phase du processus de sélection. Puis, suite a été donnée aux réclamations de candidats dont les dossiers avaient été rejetés, ce qui porte l'effectif à l'arrivée à 1005. Un dynamisme du comité d'organisation salué ici par ces derniers. Je ne connais personne et je n'ai pas eu le contact de quelqu'un. Ça a été fait en ligne, la personne ne me connaît pas. Et ce matin, on a vu nos noms sur les listes. On a composé comme si c'était sorti il y a longtemps, quoi. C'est vrai, dans le passé, ça ne serait pas comme ça. Il faut venir attendre et que c'est ici ce matin, on va voir bon ceux qui ont fait réclamation. Ça prend beaucoup de temps, mais ça a été automatique. Une fois que je n'avais pas vu mon nom sur le fichier, tout portait à croire que c'est un peu bon, orienté, puis téléguidé. Parce que je suis très confiant des expériences que nous avons accumulées toutes ces 10 dernières années en matière de décentralisation au Bénin. Il y a un message, un mail qui m'est parvenu pour s'excuser. Donc le comité s'est excusé par rapport aux désagréments que j'ai reçus et ils m'ont invité à venir faire le test, ce qui est très très bien. Donc c'est pour dire une fois encore que franchement ça montre que ce comité est crédible et on doit aussi l'encourager pour que les résultats au finish, que ceux-là qui ont effectivement du mérite, ils puissent se retrouver à la tête de nos communes en République du Bénin. Pas d'inquiétude donc en ce qui concerne la crédibilité des membres qui composent le comité d'organisation du concours. Les 77 secrétaires exécutifs qui seront sélectionnés vont être déployés dans les mairies au plus tard le 1er avril prochain. Et pendant ce temps, cérémonie de sortie des 50 inspecteurs de l'enseignement du second degré de la promotion 2019-2021. Après 2 années de formation à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale, ils ont reçu le diplôme des mains du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était dans la matinée de ce vendredi à Cotonou. Teddy Goudalo pour les détails. Il a fallu 2 années de formation pour ces inspecteurs de l'enseignement du second degré pour décrocher leur diplôme des mains de leur ministre de tutelle. Au nombre de 50, ils représentent la 6e promotion que met à disposition l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Les activités académiques déroulées sont faites essentiellement de cours en tronc commun qu'en spécialité, de stages pratiques au Bénin, à Clermont-Ferrand en France, à Bruxelles en Belgique et au Burundi. L'évaluation des performances s'est faite au moyen de productions originales issues de travaux de recherche, de compositions sur table, de rapports de stage, de conduite d'activités pratiques en milieu professionnel et de soutenance de mémoire de fin de formation. La formation de la cohorte spéciale de 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré, dont 41 de l'enseignement secondaire général et 9 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous célébrons ce matin, a particulièrement connu des innovations osées. C'est un parcours de combattant pour ces désormais inspecteurs pédagogiques qui sont aptes à servir partout où besoin sera. Leur formation a été possible grâce à l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui salue ici leur courage. Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux inspecteurs. Votre charge est redoutable.
et je forme les vœux que la formation qui vous a été donnée vous y a bien préparé. Vous aurez à contribuer à renforcer la qualité des dispositifs d'enseignement. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. 150 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré viennent donc rehausser l'effectif dont dispose le service de l'inspection générale du ministère. Cette cérémonie consacre leur opérationnalisation pour de nouveaux défis. Mais dans le même registre, remise officielle d'attestation de fin de formation aux bénéficiaires de Arch Formation, une formation dédiée aux artisans béninois qui vise à renforcer leurs capacités et faire valoir leur métier. Après 8 mois d'encadrement, ce mercredi, ils partent avec la preuve de leurs compétences et sont à présent bien aguerris sur le plan professionnel. Reportage avec Melvin Aonzo, Rachidi Soubérou et Teddy Goudalo. 161 artisans reçoivent leur attestation de fin de formation grâce au projet Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec le PNUD. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi n'est pas resté en marge. La notion de capital humain rassemble à la fois les savoirs, savoir-faire, savoir-être, et plus loin, les connaissances, les qualifications et les caractéristiques personnelles. Une première idée est de vous constituer en réseau, maintenir le contact avec les experts qui vous ont partagé leur expérience et connaissances, et surtout être assoiffé d'amélioration continue. Je suis donc heureuse de la tenue de la présente cérémonie qui intervient au moment où nous sommes en pleine phase d'extension du projet du volet assurance maladie dans les communes du Bénin. C'est dire que le projet Arch, si cher au gouvernement, se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur de l'ensemble des couches socio-professionnelles. Les bénéficiaires expriment leur profonde joie pour la réussite de ce projet. Ces jeunes venus de divers horizons ont été mises à niveau en notions pratiques et théoriques dans plusieurs corps de métier. Il s'agit du carrelage, de l'électricité bâtiment, plomberie, peinture bâtiment et de l'étanchéité. Nous allons mieux exercer nos métiers et augmenter nos revenus. Nous voulons également demander que les artisans qui n'ont pas encore été formés soient programmés le plus rapidement possible. Et pour finir, je voudrais remercier les experts formateurs qui nous ont transmis de nouvelles techniques et compétences pour l'exercice de nos métiers. Nous n'oublions pas les conseils de H Formation et toute l'équipe de la direction H Formation qui ont rendu possible cette formation. En juin 2021, à Lokosa, qu'ils vous souviennent, parmi les artisans qui ont bénéficié d'un perfectionnement, nous pouvons dénombrer 35 artisans prestataires, chefs d'équipe, sur le chantier de la cité de Ouedo. L'exécution de ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement qui œuvre à la réduction du taux de pauvreté. Un concours s'annonce bientôt dans le rang des récipiendaires et permettra de sélectionner 80 artisans au profit de la Chambre de métiers de l'artisanat. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, je vous l'annonçais en titre, on évoque dans cette édition la problématique de la cherté de la vie avec le coût quelque peu élevé des transports ces derniers jours à Cotonou et environ. Conducteur de taxi moto et taxi interurbain justifie cette hausse par l'augmentation du prix de l'essence frelatée aux abords des voies. Les usagers et autres clients ne manquent pas leur part de casse-tête. Une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain et nous revient avec le coup de gueule des uns et des autres. C'est un reportage signé Ingrid Day, Samiratou Kassoumou et mon fils de Sabour.
Tout comme ce conducteur de taxi moto, ils sont nombreux, ces usagers, à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée, communément appelée essence paillot. La cherté des produits de première nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin, touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Vraiment, ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburant, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton pain dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à m'approvisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs, non ? Le carburant qui est considéré comme un produit frelaté n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs. Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a des méventes avec nous, on ne vend plus. Si le Nigeria ne commençait pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que dans ce domaine, le Béninois, le Bénin dépend du Nigeria. Ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Mais pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria. Parce que la population nigériane aussi vit de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénouement de la situation, vendeurs et clients du Payot continuent de souffrir le martyr. Sport à présent, la finale de la Coupe de la Jeunesse de Wake a opposé deux équipes finalistes. Il s'agit de Espoir de Badjoudé et celle de l'Expérience FC de Séméré. Ces deux formations se sont affrontées sur le terrain de Badjoudé ce samedi. Le score du temps réglementaire, qui était de 1-0, a conduit à la séance de tir au but. Au terme, c'est l'équipe de Badjoudé qui l'emporte avec un score de 5-4. Cette finale a mobilisé les amoureux du Curon, les autorités politico-administratives et le promoteur du dit tournoi, Boukari Dressou Seydou, alias Papin. Les détails de cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance festive avec Alassane Aruna, Abdou Sabi Dressou. Fin en apothéose du tournoi de la jeunesse de la commune de Wake. L'équipe Espoir de Badjoudé, sacrée championne et ses supporters, célèbre ainsi la victoire après une finale amplement disputée. Avant ce sacre, l'équipe vainqueur en bleu ciel s'est opposée à celle de l'Expérience FC de Séméré, vêtue en orange noir. Dès l'entame du match sur ce terrain de fortune de Badjoudé, les bleus très en jambes multiplient les occasions et ouvrent le score à la 18e minute. C'est à la 74e minute de retour des vestiaires que l'Expérience FC de Séméré s'est retrouvée et marque le but d'égalisation. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné le temps réglementaire. Une séance de tir au but a permis aux locaux plus à droite de s'imposer 5-4. L'équipe FC de Badjoudé remporte ainsi la coupe. Organisée par Boukari Idrissou Seydou, dit Papin, l'une des anciennes gloires du football dans le septentrion,
Ce tournoi qui a mobilisé les populations de la commune de Waké vise à détecter les talents en vue de les promouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le football aujourd'hui est un sport qui unit les peuples. Et en dehors de ça, vous constatez que le football est devenu du mercantile. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les Sadio Mané, ils sont partis de zéro et ils sont devenus des zéros aujourd'hui. L'objectif est donc noble et s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, dès qu'il est arrivé, et dans son PAG, il a accordé une partie très 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 importante au sport et à la jeunesse. Pour preuve, le ministre des Sports, Oswald Omeki, c'est un jeune. Donc nous qui sommes aujourd'hui les enfants de la rupture, et nous devons accompagner, n'est-ce pas, la dynamique du chef de l'État. Et c'est pour ça, avec nos maigres ressources, nous sommes en train de faire ce que vous voyez. La remise du trophée à l'équipe vainqueur de médailles, d'enveloppes financières et de jeux de maillot a mis un terme à ce tournoi. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Très bel après-midi à vous.